Les habitudes alimentaires en Malaisie. Je suis tanzanienne et je vis en Malaisie. Voici les habitudes alimentaires de Malaisie. Les Malaisiens mangent du riz tous les jours. En Malaisie, nous mangeons du durian, du nasi lemak et de l'asam laksa. En général, nous mangeons salé le matin, par exemple, du nuit chinois. Et du nasi lemak, c'est du riz de l'asapis. Je ne mange pas de porc parce que je suis musulmane d'origine modérienne. Je bois du jus pendant les repas. Les Malaisiens boivent le thé glace au citron. Les Malaisiens d'origine malais mangent le nasi lemak avec des épices. Les Malaisiens d'origine chinoise mangent les nouilles, le porc et la soupe. Les Malaisiens d'origine indienne mangent le roti canai avec le curry. Les Tanzaniens mangent les bananes. Je suis chinois de Malaisie, je mange de tout, mais certains bouddhistes malaisiens ne mangent pas de bœuf. Je célèbre les nouvelles en chinois. Je mange de la nourriture traditionnelle du Nouvel An chinois. On mange du riz avec du poulet, de la soupe, du poisson et des fruits de mer appelés abalones. C'est très cher. Je célèbre le Nouvel An chinois avec ma famille, nos cousins et mes amis. Je célèbre le Ramadan. On mange du kurma et de la nourriture traditionnelle malaisie. On partage le repas avec ma famille. Après, nous allons à la mosquée pour prier. Je suis indonésienne et je vis en Malaisie. Chaque année, je célèbre le Nouvel An islamique. On mange de la nourriture traditionnelle, le ketupat, c'est du riz et rendang, c'est du bœuf espice. Tous les jours, nous allons à la mosque pour prier et on partage le repas avec mes familles et mes amis. Bonjour, je m'appelle Fatima. J'ai 24 ans, je suis musulmane et d'origine mondovienne. Pour moi, le petit déjeuner est le repas de la journée le plus important. Je passe 3 heures mes repas chaque jour et je prends mon repas au restaurant à l'université. Ma mère prépare les repas dans ma famille. Ma mère sert à manger de ma famille. Mon père est servi en premier. Je suis malaisienne d'origine malais. Je mange avec les doigts. Je mange avec ma famille les soirs. Aujourd'hui, je vais parler de la fête spéciale dans mon pays. Un festival spécial pour nos sœurs, la Eid. Nous mangeons des bœufs ce jour. Nous mangeons avec la famille, amis. Dans ma famille, il n'existe pas de gestes avant de manger. Il y a le Nouvel An chinois, le festival du gâteau de la lune, le festival du bateau dragon et boulet et beaucoup plus. Dans ma culture du chinois Malaisie. Dans Malaisie, il y a le Nouvel An chinois. On mange le losang. Il y a du radis, des carottes et du gingembre coloré en vert et rouge. On partage le repas avec la famille. On va au temple le matin sur le premier jour du Nouvel An chinois. Et on visite nos amis et notre famille. Je vous présente le festival du gâteau de la lune.
On mange le gâteau de la lune, des cacahuètes, de la ilam, du pomelo et on boit du thé chinois. On partage le repas avec la famille. On prie pour la lune et les enfants jouent avec des bougies et des lanternes. Ils font le tour du quartier.